Oula! Et merde! Ah, cette fois-ci, j'ai pas fait exprès, hein. Putain, ça y est, ça recommence. J'ai oublié de vérifier, c'est ma faute. Eh bien, salut à tous, c'est L4, et cette fois-ci, c'est pas un sopalin sur la caméra. C'est ma faute. T'avais un truc à faire, espèce de débile, et tu l'as pas fait. Alors, est-ce que je peux y arriver sans tout foutre en l'air? Putain, ça va pas être évident du cassoulet, parce que normalement, faut reboot, hein, OBS. Dernière fois qu'on a eu ça s'était très mal passé. Mais là, c'est de ma faute, c'est pas une question que ça marche ou que ça marche pas, c'est que tu l'as pas. Il y avait une chance sur deux pour que ça fasse ça. Et voilà, c'est ça. Salut Rock Loris, bienvenue à toi. Ouais. Voir si je désactive ça et que j'active ça. Là, c'est vraiment hasardeux hein, ce que je fais. Ah, voilà! Oh! Ah, énorme! Heureusement que t'as plusieurs. Bizarre, et pas comme d'habitude. Ne paniquez pas, tout est sous contrôle. Je vais être obligé de foutre le truc apparemment comme il faut. Ça c'est un settings qui est vieux de plusieurs années. Hein. Donc. On a réussi pour une fois. C'est assez énorme, je dois dire. C'est complètement hasardeux hein, le truc, mais. Bon, ça m'arrange pas, le machin, il est. D'habitude, il est comme ça face à la caméra, mais là, il est un petit peu, tu vois, le traviole l'écran. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Des lives très bien préparés comme d'habitude, comme vous pouvez le constater avec le L4. C'est assez énorme, je dois dire. Bon, il y a eu un pavé dans la mare lancé par le L4 cette semaine. L'avez peut-être vu sur les réseaux, ça a fait sensation. Non, je déconne. Pas par moi, mais Jason Schreier, comme d'habitude. Il nous a confirmé que, d'après lui, d'après ses sources, et non pas Counter-Strike source, c'est pas la même chose, non, KOTOR Remake n'est pas annulé. Eh oui, il serait toujours en chantier, d'après lui. Contrairement à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Mais, il y a encore des gens qui bossent dessus. Mais, est-ce qu'il va sortir un jour? Ça, par contre, on n'en sait rien. Ça, par contre, c'est costaud. Salut Kaiser, bienvenue à toi! C'est là où c'est le problème, hein, tu sais quoi? Ça, c'est une autre histoire, hein. On n'en sait rien. Donc voilà. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe là? Donc ça, on verra bien, tu sais quoi? Sinon, pas grand-chose d'autre hein, au niveau des news. Famitsu Says, excellent. Bon. Sinon, normalement, il y a eu. Hein? Oui, voilà, la PlayStation 5 Slim, entre guillemets, elle est sortie le 24. Ben, c'était hier, en fait, pour le Black Friday, quelle surprise. Donc, mais je pense pas que ça change quelque chose. Même si Major Nelson a posté une news bon plan et il s'est fait incendier, c'est assez énorme pour la PS5, vu que c'est un ancien de chez Xbox. Salut Riku, bienvenue à toi! Les conseils, excellent. Eh bien, la vidéo. Salut Crypt, bienvenue à toi! La vidéo test de Like Dragon Gaiden est tournée! Et elle arrivera la semaine prochaine. Voilà. Donc tu verras, j'en parle un petit peu. Mais c'est costaud. Bon, ah, mais là aussi ça bug, fait chier. Attendez, comment c'est laquelle la webcam? Ouais, mais est-ce qu'elle y est sur cette scène? C'est ça le problème. On n'est pas l'impression. Hein. Ah si, webcam 2. Voilà, c'est bon. Yosh! Mais c'est vrai que ça me dérange, quoi, l'écran, comment il est. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais bon. Écoutez, on va commencer avec Hard Reset. Je sais pas si vous connaissez ce jeu tout en folie. Les fameux FPS du L4. Donc, je connais pas ce jeu, on va découvrir ensemble, hein, comme d'habitude. Lol. 283 followers. Follower of Darkness. Le ressenti et la fin, excellent.
Mais en fait, la scène post-crédit, c'est pas grand-chose, hein. C'est surtout celle avant les crédits, en fait. Mais bon, on va pas en parler plus que ça. Et s'il vous plaît, la prochaine fois qu'il y a une scène post-crédit et où il se passe quelque chose dans un jeu auquel je joue, n'en parlez pas, hein, s'il vous plaît. Parce que bon, c'est pas que ça me gâche la surprise, mais ça me fait m'attendre à quelque chose et ça fausse le truc, hein. Je me doute qu'il va se passer quelque chose et je préfère ne pas le savoir, en fait, pour tout vous avouer. Donc, pourquoi il me refait ça, lui? Doudoudoum. Donc voilà, c'est juste pour parler un petit peu du truc. Dites, j'ai hâte d'avoir ton avis. Point. Voilà. Rien d'autre. C'est énorme. On est en mode cyberpunk. Ça fait penser un petit peu le truc là. L'intro. Bon, pour l'instant, vous voyez rien, c'est normal. Bink vidéo, les fameux. Parce que c'est un jeu d'un certain âge, hein, quand même. Ça se voit à l'écran titre. Hein. Il est pas top, top notch au niveau de la qualité. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le capturer? Capture de jeu. Fenêtre. Comme ça n'est pas de Gaiden. Ah, d'accord. Ah, voilà, c'est bon. Alors, voyons voir. Petite question, est-ce possible qu'un bouton de cuisinière tourne tout seul? Ça dépend parce que moi je me sers de. C'est foutu comment? Parce que moi je me sers de. C'est bizarre, il n'y a pas le français là. Donc déjà ça commence, tu sais quoi? Ah, survival mode. Parce que comment ça, tu veux dire c'est fait comme un four? Une gazinière 4 fours. Parce que moi, ce que j'ai, c'est une plaque noire, là. Tu sais, t'as vu pendant les lives cuisine. C'est un truc à induction, là, tu sais. Assez. Hey, c'est quoi? Il y a un côté bande dessinée, là. Un côté Max Payne, tu vois. Dans la narration. Voilà, c'est ça. Mais non, je pense pas, hein, honnêtement. Possédé, excellent. Honnêtement, je pense pas. Oh, putain, ça fait penser à Yuji Shinkawa. Ça fait totalement penser à. Vous trouvez pas? Le côté graphique là. Ça fait trop penser à MGS. Tu sais, portable OPS, les cinématiques étaient comme ça. Hein. Bon, là, un petit peu moins, mais bon. Néo futur. Bon, allez, tout ça, c'est pour dire qu'il y a un scénario, tout est génial, tout est magnifique, tout est exceptionnel. Oh là, c'est quoi cette arme? J'ai appuyé sur carré, ça m'a changé mon arme. Et là, j'arrive pas à changer. Le PDA. Ouais, WSAD, ok. You can use the NRG et CLN. C'est Q et E. Non. Ah, voilà, c'est A. Mais je sais pas c'est quoi à la manette. Oula, qu'est-ce qu'il faut foutre là, ces fumiers. Il s'est fait électriser. Oula! Donc c'est un truc à la Deus Ex, hein, je suppose. Un espèce de FPS old school, peut-être. Ils sont balèzes, eux. Et ça se voit parce que, bon... Du coup... Pour reload, c'est quelle touche? Ah, le truc régénère en bas à gauche, faut voir, R. Parce que 187, c'est mon nombre de munitions, mais c'est un truc à la Quake. C'est-à-dire, tu recharges pas, en fait. Quake 3 Arena. Putain, oh! C'est un truc à l'ancienne, hein, a priori. Attends, on va crever, là, c'est quoi ces conneries? Ils sont balèzes, ces ennemis, là. Énorme l'alarme de la voiture.
On a plus que 17 points de vie, bonne chance. Je suppose qu'il faut trouver un medipack. Mais je dirais que non, hein. Honnêtement. Press space to jump, ouais, c'est croix pour moi. Ouais. Je dirais que non, hein, le crypt. Gather the nano currency. 50 balles. Fruit! Oh putain, j'ai tout pété! Qu'est-ce que c'est ces conneries? Oui, voilà, les explosifs barrel. Ah, tout le secret area. Ouais, effectivement, c'est craquelé, là. Oula, c'est quoi? Il y a des loot box, ça y est, ça commence. Un loot épique. Bien, les secrets. C'est pas mal, ça, le fait qu'il y ait des secrets. Y'a rien bité. Rond pour se baisser. L3, R3. Non. Mage, controls. Attends. Oh non, faut sauter. Disable hint. On peut désactiver les indices. Un indice chez vous. Il y a un ennemi contre de toi là. La DeLorean. C'est tout un bordel. Quoi ce bruit? C'est marrant, hein, on dirait un jeu de l'époque de la Xbox 360. Je sais plus exactement de quand il date ce jeu. Oh putain, tous ces ennemis. Heureusement qu'il y a ce truc, hein. Ça là. Donne-moi ça, ça fait le taf. J'ai plus besoin de rien faire. Bouit bouit. Oh, allez, on est quasiment soigné à fond, bien joué. D'un coup, on a senti du brûlé, le torchon qui était dessus commençait à brûler et le bouton des plaques était tourné alors que personne ne l'avait tourné. Ah oui, quand même! Au moins, ça, ça risque pas d'arriver avec les plaques à induction, tu vois. Enfin, je suppose, hein. La rébellion des machines. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui est mort? Il se passe des trucs. C'est script sur 20, comme d'habitude. Un peu en mode Half-Life. Putain, c'est bizarre, hein, ton truc. Red Faction, ça bug Hard Reset. Ouais, bien. Bravo. Les décors, la vibe, un environnement industriel. J'avoue. Oh putain, c'est quoi cet ennemi, là? Oh putain de merde! Putain, mais comment tu veux esquiver? Oh putain, bien joué. Putain, mais c'est quoi ce truc? Thanks! La énergie barrière. Ah, on peut speed, bien joué. Oh putain, la vache, c'est bizarre. Mais on peut pas le faire beaucoup. On se croirait dans Golden Eyes. Thanks. Ah, c'est ça, la énergie barrière. Help info. Terminal is running on a backup power. Le main power supply. On peut suivre ça, là. Level design sur 20, comme d'habitude. Hein? Allez, ça a tout pété. Tu comprends pourquoi je me recule. Ouais, mais il était là, le passage secret, con de toi. Même s'il y en a là, un là aussi, étonnamment. Je peux pas le prendre avec moi, ça? Ça, là, ça sert à quoi? Ah ben, je peux péter ici. Faut voir, c'est... Ah. Ça! Ça va péter! Surprise! Le générateur lui supply. Attends. On, c'est ça? Tut!
Ça y est, ça fonctionne. Il était ici, caché à la vue de tous. C'est normal, c'est toujours comme ça qu'on fait. Mais là aussi, ça peut péter, là. Un peu étrange, quand même. Alors, est-ce que je peux éteindre ce truc? Comment ça? Tut. Un peu spécial, quand même. C'est comme la fibre, tu pourras plus revenir en arrière. On a trouvé un vieux guéridon, on l'a dégagé à la déchetterie. Énorme. Le crypte ne veut pas faire de la Ouija. mais est-ce que je peux tirer là-dessus? Oula, oui. Ah! Oh putain de merde! Encore un ennemi de ouf et il a des hades cette fois! La Gatling! Non! Ta vache, il est plus balèze que l'autre là, c'est quoi ces conneries? Ça a tout pété! C'est pas évident, mais ça reste faisable, hein, tu sais quoi? Seulement 126 munitions, c'est un petit peu dommage. J'entends quelqu'un qui parle. Handcrafted. Oui, il avait dit qu'on pouvait payer des trucs là. Avec le truc. New upgrade. Eh, mais où ça? Attends, on est en mode minority report. Ouais, mais c'est codé là, non? Attendez. Load restart option. You have disabled the barrel. Bon, j'ai pas compris comment ça marche. Énorme. Ne désactivez pas les... Un phallus. Les caméras de sécurité, elles sont là pour votre protection. Comme dans Portal. Tu vois, on gagne du fric. Tous les deux, on peut se faire du fric. Ah ! Ça a pété ! Il y a du monde, là. Je sais pas si on va survivre. C'est quoi? En appuyant sur LD, t'as, L2, t'as accès à un... Bien. Des munitions à défaut d'avoir de la vie. T'as accès à un auto-lock, en fait. Non, ça troll ce truc là. Bon. Vous pourrez vérifier que quand tu tournes la valve, tu entends bien l'incrémentation. Bah, ça déconne pas de là. Tu peux observer si après mi, ça déconne le temps généralement. Un ordre d'idée, ça rassurera si vous y arrivez pas. Un élastique, excellent. Oula! Ce qui se passe, c'est pété. No weapon allowed. Destroy the anti-weapon barrier power source. Ben, ça devrait être ça, je pense. Distance. C'est ça, non? Oula, route. Voilà, bien joué, on peut passer. Sinon, ça aurait été comme Resident Evil, code Veronica X. Please deposit any metallic object in the security box. Oula, attendez, il y a plein de trucs, là. CLN Firearm. Combat shotgun. Grenade launcher, assaut rifle, c'est ça que j'ai? Putain, mais y'a plein de trucs là, c'est quoi ces conneries? Chroma pack. Harpoon capacité.
Ouais, étant donné qu'on gaspille pas mal nos munitions, pourquoi pas. Hein. Je l'installe. Et c'est bon, j'en ai pas d'autres, là. Tu vois, 2, c'est marqué. Ouais, j'en ai 0. Donc faut choisir, hein, t'as vu. Boire ou conduire, il faut choisir. Alors, next. Prends ça. Ah, c'est pas mal, hein, tu sais quoi. Oula, c'est quoi ces conneries. Une projection holographique. La pub pour la société de Lex Luthor. Bon, par contre... Merde, on voit pas. Et merci Steph pour le Prime incroyable. 20e mois incroyable du cul. Uniquement à l'étage, sa chambre. Pas en bas où il y a la cuisine. Ah. Bon, est-ce qu'on va pouvoir passer là ? Close this valve. Voilà, la MGS2. Ça va nous rester dans la main. Chut. Un petit peu de soin, ce serait pas trop, monsieur Bob. Ouais, ça c'est le fric. 240 munitions quand même. Ah, excusez-moi de vous déranger, monsieur Bob, mais un petit coup de main, eh ben, ce serait pas trop. Oh putain, la voiture de Robocop. Putain, ça s'excite là, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, les v'là! Oh putain, il y a du monde! Oui! Oh putain, tout ce monde! Putain, ils me font des dégâts malgré le bouclier, c'est quoi ces conneries? On est mort! Heureusement, on a eu un checkpoint il y a pas longtemps. La couleur particulière Friday, excellent. Ouais, mais c'est pas évident là, j'aimerais bien du soin. Comment on va faire pour ces ennemis de merde là? On peut pas revenir? Ah fuck, quel con! J'ai pas ramassé les mécouilles. Ah! Qu'est-ce que... On est où? Oh, j'ai fait restart level! Attendez, ne paniquez pas, tout est sous contrôle. C'est quoi la dernière save? Celle-là, là? Oh putain, j'ai fait restart level, espèce d'idiot. On repart au début. Ah, voilà, c'est un petit peu mieux. Mais c'est vrai que bon... Faut faire gaffe, hein. Voilà, c'est un peu mieux, quand même. Faut faire gaffe, hein, sérieux. On peut monter là-dessus. Où sont ces saloperies? Vite, on va péter là-dedans. Putain, font chier ces misérables machins, là. Ils font des dégâts monstrueux. Ah, bien joué. Ça, faut le voir, quand même. Ça, là. Voilà, c'est un petit peu mieux, faut le reconnaître. Grandia 1 et Yakuza, les folies cette année. Ouais, les fameux, hein, tu sais quoi. J'ai pas l'impression que c'était incroyablement ouf. Alors, il est où le machin? Mais il y en a plusieurs, là, j'ai l'impression. Il y en a partout, en fait. Les v'là, ils arrivent. Prends ça fumier. Dude. Au suivant de ces messieurs, follow the leader, Monkey Man, qui m'aime me suivre. Regarde-moi ça! Achievement unlocked! Ouais, mais attention, c'est pas fini. Ah! Kill 20 ennemis using environmental damage only. Fais chier, on était bon là! Salaud, va. Ouais, c'est normal d'avoir si peu de points de vie. Normalement, il devrait y en avoir d'autres. Ça, là, ça en est un. Patch. Fais attention de ne pas me le prendre, quand même. Mais c'est totalement ce qu'il faut faire. Hein. Pour connaître, c'est un petit peu mieux, quand même. Qui même me suive?
Oui. Oula. Oula. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, un petit peu de soin, ça fait toujours plaisir. Fuck. Et c'est pas possible. C'est infini, ces saloperies, là. Overkill, tir normal. Oh putain, non, pas lui. On va pas se sortir vivant. Faut que je chope ses mécouilles. Un petit peu de soin, c'est pas trop demandé. Oh putain, on a même pété ça, là. Voilà, c'est un peu mieux. On est prêt. Au suivant de ces messieurs. Ouais. Il est dead très rapidement. New upcrete, bien joué. Oh putain, on voulait un autre. Ça va péter. Oh putain, je l'ai esquivé. Putain, il y en a un autre. Deux en même temps. Au secours. Mais je pense qu'on doit avoir d'autres armes. C'est pas normal que... Le contrôle de la foule du L4, c'est énorme. J'arrive à le maintenir à bonne distance. La plupart du temps. Est-ce que... C'est qui m'a attaqué, là. Ouf, bah non, c'est pas évident. C'est nerveux survitaminé. Ça, ça m'a coûté pas mal de trucs. Bien, on est de nouveau à 240. Allez, du fric. C'est ce qui nous intéresse. Theatrism, c'est en promo que sur PS4. Une drôle d'idée, comme d'habitude. C'est que ça. Du Coca-Cola. C'est assez étrange comme move. Alors, next. À votre avis, il faut aller où? Ah! Disable, s'il vous plaît. Tut! Donc, il doit y avoir une valve quelque part. Presse left shit to sprint! Oh putain, oh! Sprinter en plein dans le feu, c'est énorme. Ah, là, c'est un peu mieux. Fatch! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi qui m'a fait des dégâts, la con de toi? Ça a pété, j'ai pas compris. Je désactive un piège et ça me fait des dégâts. Dude! No! Ça le prive. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop... Ah! Des mines. Ça pète partout. Un nuage de prout. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, hein, tu sais quoi. On va pas battre notre record de mort. C'est tant mieux. Ah, objectif complete. On est arrivé à la briche. Ah oui, quand même, on a raté deux secrets. T'as eu ça un peu? C'est quoi un PGM? Et oui! Donc là, je peux pas passer tant que la truc est pas remplie. Mes achats, l'Orcana, Disney, les Usprey Redfall, la collection qui vient de sortir. J'ai paramétré la série S. On est dans Serious Sam. Bon. Alors, next. Le générateur. Ah, le tracking device, excellent. Comme dans... GoldenEye, là aussi. GoldenEye 64. 8. Shield émetteur. Installe more upgrade.
pick-up régénérate mort à munitions et énergie. Ça, c'est ultime, ce truc, là. Rip it. Là, maintenant, les pick-up nous donnent plus de, d'énergie. Ça nous soigne plus et ça nous donne plus de ammo. Ah. Qui a fait ça? Qui m'a envoyé un tonneau en pleine tronche? Ça se paye au centuple. Et on fait, on le tue. Ah merde. Ah. Patch. Je suppose que j'ai pas mon upgrade. Red. Ça font chier ces trucs de brin là. Faut que je me serve de ça. Bon, c'est ça le prix. Attention, n'oublie pas que ça met un peu de temps à péter. Au suivant de ces messieurs. Damn. Je me suis fait un peu de dégâts, mais on a réussi. Ça, faut vraiment utiliser le décor. Hein. Quit. Je les ai tués. Explosive. Et si je pète ça, ça fait quoi là? Merde! Putain, encore d'autres ennemis. Quit. J'ai fait d'une pierre deux coups. Salut. Espèce de pourri! Il y en a un autre là. Allez, ça arrive à l'infini. Oh putain! Pète tout! Venez vous faire cramer les fesses! Putain, il y en a un autre derrière. Well. Ça tremble. On a la tremblotte. Oh, c'est bon là. Phew. Open the hatch. Là, qu'est-ce qui lui arrive? Il est bloqué. Des cigarettes, excellent. Mode Snake. Oula, il y avait un gros monstre. Un mec a fait une teub dans la bouche à ses nappes. T'as vu? C'est complètement con. Le même humour que dans la vraie vie. C'est naze. Attention à lui, là. Il nous a vus. I have favored the
Alors. On est économe, on n'a pas dépensé un seul centime. Et parce qu'on sait pas comment utiliser le fric. Ça commençait à me chauffer le cul ce truc. Patch. Hop, hop, hop. Comment il a fait pour échapper à ça lui? Ouais, j'ai entendu parler japonais. Alors attends, jump on the obstacle and get to the other side. Ouais, ici là. Ouah. Oh putain, énorme! Oh putain, ça pète de partout! Damn! Ça a pété trop tard. Ça, c'est énorme ce truc! Oh putain! Y'a tout qui pète. Oh putain! Vite! Réaction chaîne! Putain! C'est cogné la tête! On commence à doser le jeu. Il était temps. Le loot. Pareil, super séduceur, un jeu qui ressemble. Bien, bravo. Merci pour l'info, le crypt. Un huc. On verra ça à la pause, tu sais quoi. Il ne saurait tarder. Si je switch quoi? Inactif, follow the power cable, le contrôle. Tiens, c'est vachement loin! Comment tu veux que j'aille là? Ils ont pété. Il m'a ouvert la porte. C'est gentil. Non. Destroy the power source. Alors. Là, c'est où est Charlie hein. Là, il faut chercher, comme d'hab. Où est-ce qu'elle est la power source, à ton avis? Attends, c'est pas avec le câble. Câble. Et ce serait ça, là. Ouais, c'est ça. Putain, fallait le voir. Hein. Fallait avoir l'œil. Hein. D'accord. C'est mon objectif. Download. Put. Le tracker. C'est des 0 et des 1. C'est un langage binaire. L'heure des médocs. Oui, dans 3 minutes. Et celui-là aussi est longue soirée d'hiver, incroyable. Oui, celui-là, je... Oula, attention! Ça conduit l'électricité! Il
Mais celui-là, on en avait parlé l'année dernière, entre guillemets. La semaine dernière. Ah putain. Oh putain, c'est quoi ces conneries? Salut! Bon allez, c'était Super séduceur chez les robots. Non, c'était Hard Reset. Vous aurez eu un aperçu de ce que c'est, tu sais quoi? Bah, exit. Pourquoi pas? Alors, fais voir. Celui-là. Monte un petit peu. Voilà. Bon. Alors, ça donne quoi? Et wink. Allez, qu'est-ce que vous en dites? Énorme. Bon, allez, écoute, on va se faire une petite pause pendant 2 minutes. Et après, on se... Ah oui, quand même, tout ça comme trophée. Retirement. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, quand même. Et on se dit à dans 2 minutes pour le deuxième jeu de ce live tout en folie. Et on verra bien ce que je vous aurai réservé. Allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour pour cette suite de ce live tout en folie. Alors, le prochain qu'on va faire, là, c'est... Peut-être vous connaissez ce jeu de ouf. C'est un jeu de course. On en fait de temps en temps dans les lives. En fait, c'est Sonic et Sega All-Star Racing. On l'avait pas déjà fait. Peut-être que non, j'avais fait la démo du 2 ou je sais pas quoi, faut voir. Non, non, on l'avait pas fait. Renegade Racer. Énorme. Chacun fait son jeu de cartes. Ils n'ont pas un jeu de cartes à la Hearthstone. Paris-Marseille Racing. Bon allez. Le meilleur. Alors attends. Il y en a eu deux, hein. Il y a eu le Sonic et Sega All-Star Racing. Et il y a eu le deuxième. Qui c'est Transformed, c'est ça? Sinon, pour Transformool, c'est ça le deuxième? Ouais, ouais, c'est ça, là. Même celui-là, tu l'as dans ta bibliothèque, j'avais pas fait attention. J'avais vu que le premier. Bah, peut-être qu'on fera le deuxième... Bien assez tôt, hein, tu sais quoi. Sega. Peut-être qu'on le fera un jour en live, hein. On sait jamais. Sumo Digital. Ninja Clown, excellent. Alors, attends. Le troisième. Team. Ah, c'est vrai. Oui, oui, il y en a trois, en fait. Le team, effectivement, ouais. Alors, je prends ça, merci. Avec l'annonceur. Alors, si je fais comme ça, est-ce que ça a marché pour vous? Bien, bravo. Le commentateur. Donc, c'est un jeu de course, genre Mario Kart. Avec tous les personnages de l'univers. Enfin. Les personnages de l'univers de Sonic et Sega, donc. Oula, c'est quoi ça? Le permis. Tout est permis.
Donc c'est-à-dire Ryo Hazuki. Oulala de Space Channel 5. Les singes dans Monkey, je sais plus quoi là. La nationalité. Là, tu vois eux là, de Monkey Ball. Ça de Samba de Amigo. Ça c'est Jet Set Radio, non? Tu vois, oulala, elle est là. Une waifu de compète, hein, c'est un truc de fou. On va prendre Ryo. Ça c'est Virtua Fighter. Parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a pas encore Kiryu. Mais il y est dans le 2 ou le 3, non? Leçon de conduite avec Sonic. Bah je peux pas Kiryu. Il est pas dans ce premier épisode, mais je crois qu'il est dans le 2, hein. Je voudrais pas dire de conneries, mais... Pas de Persona. En parlant du jeu... Non, non, il me semble qu'il y en a 3, hein. On vient d'en parler avec Camille. T'as bien suivi, Rico. Il y a celui-là, là, Sonic et Sega All-Star Racing. T'as le Transformed, le deuxième, il a dit que c'était le meilleur pour lui. Et t'as le Team Sonic Racing. C'est le 3, hein, faut croire. Oui ou non? T'en as un exclusif à la 3DS. Oui! On y va, on est parti! C'est mieux que Sonic Racing, où on courait à pied! Avec la musique de boîte de nuit! Oui, bah d'accord, ok. Enfin, il dit prendre une leçon, mais en fait, il nous explique rien du tout. Sonic 16, excellent. C'est vrai qu'il y a un clin d'œil à ça, là. Sonic va vous causer. C'est vrai, c'est énorme. C'est un clin d'œil par rapport à ça. Bon, écoutez, un petit tournoi, là. Histoire de bien se foirer. On va prendre Sonic. Sonic! Alors en débutant, hein, faut pas décoller non plus. Coupe KO, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première, non? Le truc de base. Je considère comme le 3, mais c'est beaucoup moins bien. Je te garantis qu'il n'y en a que 2. Si vous comptez Sonic Racing, il regroupe pas les persos de Sega. Donc je ne compte pas du tout dedans. D'accord. C'est très étrange. Hein. Vous êtes pas d'accord? Oui! Putain, pourquoi j'ai sauté sur place, là, con de toi? Allez, je vais suivre mes potes! Donc, vraiment, des racing, il y en a eu. Normalement, faut faire des dérapages, non? Normalement, des racing, il y en a eu sur tout et n'importe quoi, hein, franchement. Oula. Une bombe. J'ai pris un cadeau. Voici un cadeau. Oh là, attention. Partez. Attendez, comment on utilise les mes couilles, là? R1, L1, rond. Oh là. C'est moi qui me le suis pris, bien joué. Carré, peut-être? Non, c'est la vue arrière. Ah, c'est croix pour utiliser les mines. Olivier mine. Oh putain, c'est quoi ça? C'est pour ma pomme et je vais dans l'eau, maintenant. Quatrième à cause de ces conneries. Oh putain de merde. C'est la touche croix, hein, pour utiliser les trucs. Allez, quand même, j'ai tout pété. Ça, c'est pas évident du cassoulet. J'avais pas fait la démo à l'époque. Je regardais à une époque. Oh putain. On va crever. Laissez passer, bande de chauffards! On va jouer à Diddy Kong Racing et on va prendre Conker! Mais la version soft. Ah, j'ai une bulle de protection. Tu vois, c'est du classique, hein. Le carapace rouge, carapace bleu, mais avec l'univers de Sonic. Merde, quel con! C'est eux qui me prennent la tête! C'est dommage, on était bon là. On était pas mal du schtroumpf. Oula, le missile qui va aller sur le premier de la course. Il devrait pas être à sa place. Ouais, sauf que c'est moi. Ah, Fatch!
On est en compétition avec le singe. Ouais, j'ai foutu les mines derrière. Olivier mine. Comme ça, ils me suivront pas les autres. Allez, prends ça, Team Rainbow Rocket. Vite, la ligne d'arrivée! On est premier, prenez un screen! Yeah, c'est ce vol, quoi! Ce voleur! Alors qu'on a fait que de la merde! Bien! Yeah. On a fait que du brin pendant toute la course et on finit premier, quoi! C'est énorme, franchement! Ouais, le troisième, les mêmes développeurs, la même base, un downgrade. Bon, ça fait au moins une fois premier. Ça fait très arcade Mario, le commentateur. Tu as pu pouvoir blairer, excellent. Et franchement, ben voilà, tout y est passé, mais... C'est rare d'en voir actuellement. En fait, la plupart du temps, quand ça sortait, c'était à l'époque de la première PlayStation. C'est un peu Crash Team Racing et Mario Kart 64 qui ont un petit peu lancé la mode, hein, tu sais quoi. On a fait un dérapage. Première fois qu'on utilise la touche de frein, c'est énorme. Allez, regarde, à la sortie d'un virage, prends sa fumier. Damn it. Allez hop, prends ça, un de moins. Il a tout bouffé. Donc ça, c'est vraiment le genre de jeu qui fonctionne de ouf. En mode multi, hein, forcément. À plusieurs, c'est l'éclate, quoi. Mais en solo, ça fonctionne aussi, tu sais quoi. Oui ! Et oui, c'est vraiment à l'époque de la première PlayStation, hein, qu'il y en avait le plus. Là, tout le monde... Tout le monde s'y est collé, hein, je veux dire. Woody Woodpecker Racing, Looney Tunes Racing. C'était pas fait par Infogram d'ailleurs. Avec Daffy. Renegade Racer. Putain, ils font chier, ils restent devant ces deux fils de chiens là. C'est qui? C'est Tail et Aïe Aïe. Ah merde! Quoi? Comment ça, dernier tour? On va pas finir premier cette fois, par contre. C'est sûr que les dérapages, ça fait quelque chose, là. J'ai qu'un seul truc de boxe, c'est dommage, ça. T'es foutu derrière. Allez, on y va! La Rainbow Road! Plus on est bien classé, moins on a d'objets, c'est logique. Hein. Putain, il y en a un qui se l'est pris derrière. Tu vas voir, Sonic, je vais jamais te pardonner. Yosh, voilà, pareil. La gruge. Le vol absolu, pareil. On a fait que de la merde, c'est énorme. C'est dommage qu'il n'y ait pas Kiryu, là. Et Waifu. C'est ça, j'avoue. Bien plus dur que ce premier opus. Ah ouais, le gimmick de Transformed, c'est qu'il y avait les montures volantes, c'est ça? Enfin, les véhicules volants et aquatiques, c'est ça? Je sais plus, en fait, pour tout vous avouer. Billy Hatcher! Il me semble qu'il y a un délire comme ça, non? Parce que là, c'est pas le cas, hein, c'est que des trucs... Alors, je vais essayer de faire un départ canon. Ouais, il a pas sautillé sur place, mais... C'est pas tout à fait exact. Oh non, le casino! Le casino, la roulette! Allez, prends sa fumier, un de moins. Oh putain, il a l'air galère ce circuit. Oh putain, c'est Gerbotron! Allez hop, un plot dans la gueule. C'est quoi ces trucs là? T'as les jetons L4! Fais chier, aïe aïe là! Si on se les prend, on se pète la gueule, non? Bon là, je suis premier, hein, prenez un screen. C'est quoi cette bulle? Ah, c'est ça.
Oh putain, on est passé quatrième en l'espace de 2 secondes, là. Là, faut commencer à savoir jouer. Ouh, 6 sur 8. On va dégringoler dans le classement. Je sais pas si on sera toujours premier au total après ça. Là, on a fait le contraire des 2 autres courses. On était leader. Oh putain, bien joué, j'ai esquivé. Leader! Allez, prends sa fumier, un de moins. Imi Rose. Allez, hop, un de moins. Moi, je déglingue mes adversaires, je suis comme ça. Oh, Fatch, je me doutais bien que... Il fallait pas se les prendre, ces trucs de merde. Oh, putain! C'est quoi, ce truc? Ah! Je maîtrise pas les turbo-dérapages, là. C'est déjà comme ça dans Mario Kart double dash. Oh, c'est quoi, ce truc? Putain, voilà, je l'ai fait au bon moment, quoi. Je l'ai fait à l'aveugle. Et Shadow s'en est pris plein la gueule. Shadow Yamoto. Punissez-moi, maîtresse. Allez, dernier tour, bonne chance. Si on finit deuxième, c'est pas dégueulasse. Il y a Imi Rose. Oh non! Qu'est-ce que c'est ces conneries? Je comprends plus rien. Elle est Miro comme perso. Je voulais faire cette blague, c'est énorme. Quoi, on est premier malgré tout? C'est abusé, ce truc, là. Et c'est quoi, ces sambas, là? Les maracas. Yeah! Ça a pas l'air dégueulasse, cet endroit, là. On a pris une bonne route, tu sais quoi, prends un fumier. On place des trucs dans les virages, on est comme ça. Gouah! On fait que de la merde. On va encore finir premier, c'est la gruge. Mais c'est énorme! C'est excellent, putain! Oh putain! Imi Rose est passé 3ème. Et Big the Cat est dernier. Big, excellent. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur les lives. Sans utiliser des dérapages, ça va être compliqué. Bon là, heureusement, c'est que la première course, hein, mais bon. Le premier championnat. En guest, Ralph, un guest, les versions exclusives Xbox. Un Kaori de City Hunter, c'est génial. C'est incroyable du cul, fallait me le dire plus tôt. Hein. 8. Même les dérapages canons. Ah, qu'est-ce que c'est? T'inquiète pas, c'est juste temporaire. Oh putain, la vache, c'est psychédélique as fuck. C'est quoi ces conneries? C'est le circuit spécial Lucy in the Sky with Diamonds. Oh putain. Ah, j'ai réussi à faire à mes couilles. Je sais pas comment j'ai fait, prends un fumier, un de moins. Prends sa fumier, 2 de moins. Mais non, c'est quoi la samba? Ils ont obtenu les droits. Samba de Janeiro, là. Énorme retour en 1998. Mais non, ils ont eu les droits de la musique, c'est excellent. Parce que normalement, Samba des Amigos, c'est un jeu genre Just Dance et tout ça. Hein. Il y a plein de zik. Ah! Déjà existant. Mais là, je m'y attendais pas qu'il le mettrait dedans. Oh putain! Putain, c'est excellent, franchement. Je m'y attendais pas du tout. Ah, Fatch! Qui c'est le fils de chien qui m'attaque là? Alors que j'étais quatrième, je crois qu'il avait besoin de m'en envoyer un là. Mais ils sont tous en mode slow motion, qu'est-ce qui leur arrive? Allez hop, je refais une couche. C'est ultime. C'est toute ma jeunesse. On peut pas perdre sur cette musique! Donc là, les commandes sont inversées, bonne chance. Ouais, Shadow est premier pour une fois. Les shitty friends de Sonic. Il a envoyé sa bombe n'importe où, hein, c'est ridicule. Ce serait énorme qu'on fasse que des niveaux 1. Il a essayé de me klaxonner, mais il a pas réussi, prends un fumier. Le défi guide manuel. Eh! Oh, chien! Shit! Ce serait énorme qu'on ait que des premières places.
Pour un mec qui connaît rien au jeu, ou presque. Ah ! Qu'est-ce qu'il fout là, ce truc de merde ? Alors, tu vas baisser ce truc de merde ou pas, là ? Le dernier mes couilles ? Allez, un bon bonus, s'il vous plaît ! Allez, ça peut me protéger. Shit ! Qu'est-ce qui nous arrive ? On est en mode super guerrier. Oh putain, on va se faire strike la musique là. Je viens juste de percuter. La rediff YouTube, ça va être compliqué, hein. Merci ces gars. Culé, va. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lancé devant. Yosh. RIP la rediff. C'est ça, oui. Effectivement. Eh oui, c'est con, ça. Bon, pour l'instant, c'est le perfect. On a fini 4 courses. 4 fois premier. C'est bon, on a gagné le mécouille, là. Sonic 16. On a gagné le truc. Ouais, j'applaudis quand même. Je suis bon dernier, mais on s'en branle. Bien joué, Sonic, espèce de héros surcoté. Je vais prendre ta place. C'est moi qui vais tout niquer! Bien! Pas trop dégueulasse pour un noob. Yosh! First try! Bon, on va tenter la deuxième, tu sais quoi? Tutut! On va tout péter. Merci, merci pour le GG. Mais sinon, il y a des missions, t'as vu? Bon, qui on pourrait prendre à ton avis, con de toi, là? Est-ce qu'il y a une différence au niveau des... Eh, on l'a débloqué, lui, non? Est-ce qu'il y a une différence au niveau des... Alex Kidd! Des persos, ou est-ce que c'est juste le skin qui change? F1 Info, mais ça marche pas, là. F1 World Grand Prix. Mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas Ryo Hazuki, là? Choisir pilote. Sonic. On peut pas tous les choisir, c'est quoi ces conneries là? Débutant. Oula, putain, y a plein de trucs là. Coupe œuf. Et coupe graffiti. Yosh! Evil Dead. Non, c'est House of the Dead, on a dit. Je sais plus de mémoire, je pense que tu as le même système que MK avec le Poua. Une boutique pour les développer. Ah! Et débloqué. Oh, il y en a un qui court. Il a une moto. Allez, on y va. Oh putain, il y a du trafic. Non, on peut passer à 3 endroits quand même. Je prends ça, merci. Oh putain la vache! Le rebond qui m'a profité, quoi! Le L4 profite de la situation. Ouais! I believe I can fly! Route! Au suivant de ces messieurs! Qu'est-ce qui branle, Tails? Tails! M'emmerde pas avec tes histoires, je te dis que ça se prononce comme ça! Allez hop, un de moins. Deux de moins dans un virage. Oh putain. C'est relou, c'est... Oh putain, tout le monde se les prend, quoi. Ils font que de la merde, ils sont en mode bourré. Ils ont bu un coup de trop. Ils ont 3 grammes dans le sang. Allez, je le prends, tu sais quoi. On est tenté d'utiliser les bonus le plus vite possible. Pour pour s'en débarrasser, voilà, et pouvoir en utiliser un autre. Bruce! Bruce, laisse-moi t'aider. Non! T'es sûr qu'il demande encore à n'importe qui. Chinois du grenier. Ça. Je l'ai eu. C'est énorme.
On est un tireur d'élite. J'ai des succès. Un succès! Oh putain de merde, c'est quoi ces conneries? J'ai sûr qui demande encore n'importe qui à nous, énorme! Vous avez vu une voiture noire? C'est énorme! Ça! Comment vous voulez que je les reconnaisse? Là, par contre, on est en train de dominer, mais quelque chose de sévère. On a rarement été en difficulté dans cette course. C'est là? Ah, c'est là. Les Mad Angel. Thanks! Course 2. Ah, c'est Manoir du Curien? On est à la 3? Non, 2, voilà. Donc tu vois, c'est ça House of the Dead, hein, je suppose. Typing of the Dead! Ah putain, fais chier, Tails! Ouais, je maîtrise, je suis comme ça! Oula, c'est quoi ces conneries? Allez, prends sa fumier, un de moins. Putain, mais c'est accidenté là! On n'avance pas! Qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de marcher sur des pavés ou je sais pas quoi! Oh putain, saleté de zombie! Shot! Il m'a pris le truc, cet enculé! Qu'est-ce que c'est? On est en mode délire psychédélique là! Ça, c'est l'équivalent de la pieuvre, hein, je suppose! Tu vois R! Mais je me traîne! Je comprends R là! Ma truc, elle avance pas! Ma truc, excellent! La tub du Alcat. Allez, Emirose, paye-toi ça. Ah voilà, c'est un peu mieux ici. Allez hop. En mode l'étoile. Y'a un truc qui va pas là. Il va tout péter. Oh putain, il l'a dégommé. Oh putain, j'ai trois Axel. Accélère Axel. Mais tu vois, quand on marche sur ces pavés à la con là, y'a un truc qui va pas là, j'ai pas trop compris. On avance quasiment pas. Hein. Fatch! C'est normal hein, s'il faut. Pour tout le monde pareil, hein, faut croire. Putain, on est quatrième, c'est pourri! Foutez le camp! Oh putain, d'où ils viennent eux? Putain, il a raté tout le monde lui, c'est quoi ces conneries? Est-ce que notre chance légendaire va rester avec nous? Allez hop, follow the leader, Monkey Man. Essayez de suivre la cadence. Gauche, droite, hop, je t'ai feinté. La boule. On a perdu la boule. Le warehouse numéro 8. Ah merde! Je vous lis et du coup... Du coup je fais que du brin. D'accord, je pense qu'on arrive à gagner sans le truc, le drift. Yosh! Le moindre PNJ! Énorme, j'avoue. On devrait pouvoir réussir ce tournoi. On va bien voir si on va réussir à faire 8 sur 8. On va tout péter! Oh, Fatch! Là, j'ai appuyé un peu tard, quand même. Robotnik! Le L4 qui pousse tout le monde! Espèce de fraude! Ils l'ont chopé juste avant moi!
Oh, Fatch, bien joué. Il m'a foutu un missile dans le cul. C'est énorme, c'est les mêmes missiles que dans Professeur Team. Les incroyables machines. C'est les mêmes missiles rouges, c'est excellent. Tiens! Ah putain, je l'ai raté de peu. Ouais, je pète tout. Oh putain! Il y a des robots. Une belle partie de chipiron, il y a des marrons. C'est pourtant... Putain, je l'ai esquivé de ouf. C'est pourtant pas la saison. Allez hop, un de moi. Je vais te montrer ce que c'est de viser. Allez hop, deux fois Robotnik. Merde, il était en récup. Allez hop. Ouf. C'est intense. Ah, Fatch, il a piqué. Gérard piqué. Oui. On va tomber dans le crew. Eh. Au suivant de ces messieurs. On est encore premier, espèce de fraude. Allez hop, missile dans le cul. Ah dommage que c'était pas le dernier. Tout peut se passer en un tour. En un tournement. Je me demande si ça protège des... du terrain, ça là. Merde. Pourquoi il n'y en a que deux, c'est quoi cette arnaque? Je vais vous montrer que c'est le patron. Hé hey. Tu vois, est-ce que la bulle, ça te protège de ça, là? Le respect, je l'ai mangé. Aucun respect pour mes adversaires. Et allez, une de plus. Sonic plus rapide à pied ou en voiture, j'avoue. C'est vrai. Eh ben, pour l'instant, c'est le perfect. Hein. Même si on finit dernier à celui-là, le dernier, dernière course, 8 sur 8, eh ben, on aura 7 sur 8. Hein, donc, y a pas à rougir, j'ai envie de dire. Jumanji, la jungle, ça commence. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des... Ils parlent en anglais, là. La première fois que je remarque ça. Oula, il me pousse. Énorme. Il profite de l'aspiration. Va. Putain. Quel con. Oh putain, il y a des virages en épingle. Là, ça commence à Scorsese. Mais putain, c'est où la suite? C'est quoi ce circuit, là? Oh putain, c'est quoi ces bananes? Donkey Kong. Ça, c'est quoi ce machin? C'est la carapace bleue? Ça pète tout le monde, là. Donc là, je serais très étonné si on finit premier. Ça, je sais pas c'est quoi, j'ai envoyé un truc. J'ai ralenti tout le monde. Putain, pourquoi moi? Oh, pourquoi moi? Non! C'est un cauchemar! Putain, c'est pas évident ce circuit là, un toucan. Un toucanon. Je serais très étonné qu'on finisse premier. Tiens. Ça a trouvé preneur. Gay. Putain, saleté de Pokéball. Qu'est-ce que ça foutait là ce truc? Oh, Fatch! Fait des erreurs bêtes et méchants. Putain, Fatch!
On va être bon dernier avec ces conneries. Ça c'est con, on aurait pu gagner et avoir un 8 sur 8, mais il a fallu qu'on fasse du brin. Quoique, tout espoir n'est pas permis. Énorme. Tout espoir n'est pas perdu, plutôt. Du pain perdu. Ah, Fatch, il est trop loin, cet enculé. Non. Si j'avais fait ne serait-ce qu'une seule erreur en moins, on aurait pu y arriver. Yosh! On est quand même premier au total, mais bon. Eh ben voilà, bien joué du con. On n'a pas fait le perfect. Les Miles. Desmond Miles. Salut joueur, bienvenue à toi! On va aller à peu près à la même vitesse. Yosh! C'est pas trop mal, tu sais quoi. Un petit tour à la boutique quand même. Contre la montre. Hein? Ah oui, c'est là. Emplette. Putain, y a même des permis. C'est quoi ces conneries là? Tous les délires sont permis. Beat Takeshi. Ah, et le v'là lui. Modifier permis, collection, test, défi. Ah oui, quand même. Salut Jojo, bienvenue à toi. En tout cas, vous aurez eu un aperçu de ce qu'est Sonic et Sega All-Star Racing. C'est pas mal du tout, tu sais quoi. On verra ce que donnent les autres, entre guillemets, ou l'autre. Ça dépend comment on voit les choses, évidemment. On désinstalle. Voilà, en temps voulu. Si ça se passe bien. Bon allez, écoutez, petite pause. Et un nouveau F-Zero, excellent. Il y en a un, mais en mode Pac-Man 99. Quel troll, c'est Nintendo. Donc écoutez, petite pause, et on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de ce live tout en folie. Allez, à de suite. Freeze, t'es givré. Alors attends. La webcam, c'est laquelle? Parce que du coup, j'ai remis l'autre. On est de retour, ne paniquez pas, tout est sous contrôle. Où est passé l'autre? Mais quel autre? Webcam cuisine, voilà, c'est un peu mieux. Énorme. Oui, il y a eu une coupure. C'est merci OBS, on apprécie, hein, comme d'habitude. C'est nimp. Complètement con. Ça. Tu changes de scène et arbitrairement, aléatoirement, ça. Ça répond plus. Et donc ça coupe, mais instant, hein, c'est hallucinant. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un décalage de ouf hein, chez vous, là. Quand le temps que ça freeze et que j'attends quelques secondes, je fais F5 dans le stream pour regarder si ça bug. Et c'est pourri, quoi. J'étais encore en train de parler. Parlez, les animaux! Bon, bref, on s'en branle. Écoutez, on se retrouve avec... Géométrique Sniper. Blood in Paris. Et non pas Paris Hilton, c'est pas la même chose. Je sais pas si vous connaissez ce jeu de ouf. Attends, je vérifie si c'est bien... Attends! Je vérifie si c'est bien celui-là que je voulais vous faire en stream. Non pas en string comme d'habitude.
Attends, je vais la faire en live. Oui, c'est celui-là. Donc, c'est un espèce de jeu avec un sniper et c'est très jeu flash, entre guillemets. C'est le 2, je suppose. Mais vidéo sur ce jeu. Ah bon? C'est vrai? C'est énorme, sérieux. Attendez. Donc, c'est un gameplay particulier, je suppose, et. Mais je connais pas, on va découvrir ensemble. Apparemment, c'est très particulier et c'est costaud. Je launch. Un jeu sanglant. Rage Kit, c'est ça. C'est un petit peu ça, effectivement. Hitman Sniper Challenge. Alors, voyons voir. Jeu. Spécifique. GSBP. Instant promo. Le Riku fait sa pub. Oui, merci. Effectivement, c'est fort, hein, le son. J'ai pas baissé. Celui que tu fais, c'est le second. Bien, bravo. Merci, Kankuro. Effectivement, le son est un peu fort. Bon, est-ce que ça se joue au clavier, manette, souris? Adventure! Des news! Donc, je connais pas hein, le gameplay, tout ça. Thanks for playing our game! This is the spin-off, and you will follow Katy, excellent! The game is fully Katy Perry. Was made with great care, don't forget to give us. Colonel Camping, il a bien changé. Thanks, dude! Cette gueule. C'est les triangles, les chips, là, les belins. les triangles au fromage, là. Les détails de la mission. On incarne Quiet. Oula! Ici, sur Mer Screen, access les missions, les Windowed. À Windowed, dans la jungle, paisible jungle. Ici, sur Target Profile, Learned by Heart. You can only access once. Attention, hein. You have received new hint. You can check designated. The time window. Comment ça? Alors, attendez, fire avec ça. Aim, précision, cover. Ok, ça devrait aller. Yosh! Les Doritos. Eh, hey, on est revenu ici, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qui se passe, con de toi, là? On est revenu sur l'écran! Le country. Attendez. Royal. Ah voilà. Return F12. Oui, mais là, c'est avec le mécouille. Ah voilà, mission 1. C'est bizarre, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Or, secret agent, have disco. Terroriste, excellent. Intent to bring down the Eiffel Tower. Oh putain, il y en a 14. Non, il y a tout terroriste. Et mark the bomb by shooting them. So that our agent can disarm them. Et time window, j'ai que 4 minutes. Hein. C'est affreux. Ça a l'air affreux du cassoulet quand même. C'est quoi là pour lancer? C'est ça là? Donc bonne chance. Hein. Le film Napoléon. Ben pas moi, tu sais quoi? Alors attends. This bar show your aiming precision. The closer to the center, more you will be reba. Hein? Voilà, beware the time limit, effectivement. Et hold the space bar. Oui, mais avec la manette, c'est comment, là? Oh, putain, attendez. Le English. Attendez, la manette, elle déconne un petit peu, là.
Qu'est-ce que c'est ces conneries? Voilà. Bon, donc, ils sont où tes terroristes? Là, il y a une mission. Enfin, il y a une mécouille. Oula. Mission failed! You missed the target! Mais je croyais qu'il fallait marquer les trucs. Bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Je croyais qu'il fallait marquer les bombes, bordel. Mouse, hold your breath. Toi, t'es lâché dans la nature, hein, et tu dois les trouver, hein, les terroristes. Attends, c'est lui? Non, c'est pas lui, il est assis. Mais comment je les reconnais, les terroristes? C'est des gens qui ont des flingues. Attendez. J'ai pas tout compris, hein, pour tout vous avouer. Ah si, voilà. Mais quoi, putain, les bombes vous détonent à tête! What the fuck? Je comprends R, c'est hallucinant. Les dynamites, bah c'est ce que je viens de faire! Elle a détonné à Ted! Tirer sur les dynamites, je l'ai raté? Mais je croyais qu'il fallait tuer les terroristes. Ça, il y en a beaucoup par contre. Hein. Je peux pas zoomer? Ah si, voilà! Ah, c'est un peu mieux là. Attendez, j'ai pas tout compris. Non, non, je pense qu'il doit y avoir une autre touche pour les marquer et pas pour tirer dessus. Parce qu'une bombe, si tu les tires dessus, ça pète, hein, c'est... Regarde. Beware the time limit, hold the space, le indicate. Non mais je dois avoir un problème de manette là, parce que c'est pas normal quand même. Et tu dois bien faire quelque chose avec les bombes. L1, R3, L3. Non mais y a un problème, c'est pas possible. J'ai tué. Un innocent. You lost 300 points. Je sais pas si c'est vrai ou... Ou si... S'il dit ça pour rigoler. Non mais attends, y a un problème là. Age, weight, skill. Or, regarde, eliminate the two terrorists with the detonator and mark the bomb by shooting them. Mais si, ah, il faut le faire après. Il faut d'abord tuer les deux terroristes. Voilà pourquoi ça pète, parce qu'ils ont le détonateur. D'accord. Donc si tu vois un mec avec quelqu'un dans le bras, un truc dans le bras, voilà. Donc faut d'abord trouver les terroristes, hein, Jackie, et ensuite faut les péter. Mais bonne chance, hein, pour peu qu'on ait assez de mécouilles. Regarde, en v'là un, là. Lui, là. Ça, c'est un mécouille. Hein. Allez. Un de moins. Next. Tu vois, c'est où est Charlie, hein. Faut les trouver. Hein. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à dézoomer. Ça, j'ai un espèce de problème de manette, là. Lui, il est en train de ken. C'est énorme. Bon, où est le deuxième terroriste, con de toi, là? Mais c'est con que ce soit en temps limité. En tant qu'il se déplace pas, ça va, non? Quand l'appétit va, tout va. Alors, où est le terroriste, con de toi, là? Faut qu'il ait un truc dans la main, hein, Jackie. Il veut tout péter. C'est vraiment où est Charlie, hein? Faut avoir l'œil. Lui, il était louche. T'es louche, L4. Tu m'inspires pas confiance. Où est-ce qu'il pourrait être l'autre con là? Y a pas de musique. Le bon. Deux aux fenêtres. Ah, y a lui, mais il bâille. Il est dans les bons bails. Putain, j'ai vu qu'un seul terroriste là. Ah, c'est lui! Voilà. Tiens, ils sont bien planqués quand même. Allez, prends sa fumier et voilà. Maintenant, les bombes. Bonne chance. Vu le nombre qu'il y a. Mais est-ce que ça va me coûter mes couilles là?
J'ai l'impression qu'on a pile poil le bon nombre de trucs. Hein. Sniper Elite. C'est pas possible, sérieux. Dès la première mission, c'est pas évident du cassoulet quand même. Heureusement que le L4 est un sniper accompli. Eh ben, on n'a pas fini. Ah, en voilà une. Deux autres là. Ah fuck, je l'ai raté. Non ! Putain, t'as pas le droit à l'erreur, c'est abusé. Tu rates, t'as perdu. Ah, tout à refaire. Bon, au moins on connaît où sont les trucs. Hein. Putain, ça c'est abusé quand même. Faut avoir l'œil. En plus, c'est aléatoire. Il est pas placé au même endroit, regardez. C'est abusé, hein. Ah voilà, et l'autre, il est là, maintenant. Putain, je me demandais s'ils allaient faire ça aléatoire, mais t'as vu, les deux étaient l'un à côté de l'autre. Hein. Par contre, ils ont vraiment fumé de voir en marqué 14. La guerre de 14. Enfin, 12. Et j'ai l'impression que même les bombes sont placées différemment par rapport à l'essai de tout à l'heure, là. L'essai foiré. Foiré. Culé. Attends. me dis pas qu'il en reste 6, là. On se croirait dans MGS, avec la Big Shell, tu sais. Pareil, il fallait péter les bombes comme ça. Là. Putain, c'est pas fini encore. What the hell? Oh putain, en voilà un autre. Donc là, il en reste deux, là, t'es en train de me dire. What the... Ah putain, en voilà un. C'est abusé, quand même. Plus qu'un. Le voilà. C'est vraiment du « Où est Charlie ?» Oh. Oh. Oh putain, et heureusement que c'était que la première. Hein. Putain, deux shots là! Or, secret agent, have discovered the member. We will send you the photo of the member. Find a quickly eliminate one before they explode. Putain, on en a réussi une, c'est déjà ça. Hein. C'est bizarre dans un jeu casu, où est Charlie, d'avoir implémenté du no mistake, j'avoue. Alors, où est ce fils de chien? Regarde, il a un chapeau, des lunettes. Donc tu vois, faut les chercher. Hein. Donc là, faut tuer ce connard. Et a priori, ce serait aléatoire, là aussi. Il peut être n'importe où. Mais c'est bizarre, c'est la même map que... que la mission 1. Ça, c'est un petit peu dommage, je dois dire. Alors, où est cet abruti? Il a une écharpe. Franchement, il est distinct hein, par rapport aux autres. Mais on n'a que 3 minutes. Alors, la question, c'est est-ce qu'il se déplace ou non? Où pourrait être... Le v'là! Chapeau melon et bottes de cuir. Je fais bien attention qu'il a... il a toutes les caractéristiques. Allez, hop, un de moins. Et le deuxième. Là, c'est mieux, là, tu vois. Ah, c'est presque le même, mais il a des lunettes de soleil. Tu vois, lui, il ressemble de ouf. Hein. Mais c'est pas lui. Lui, c'est Luffy. Il a une casquette. Et des... c'est lui, là, non? Non, presque, t'as vu? Il a une tête carrée et, pas... et une tête comme ça. Au lieu d'avoir une tête triangle, c'est vachement fourbe. Par contre, j'ai vraiment du mal à dézoomer. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Alors oui, cet enculé. Putain, j'ai du mal à dézoomer, c'est un truc de fou. Oui, c'est bas ou droite pour dézoomer. Où pourrait être cet enculé, là? Là, c'est pas lui. Il a un chapeau. Où pourrait être cet abruti? À mon avis, il se déplace pas, hein.
Alors, où est cet abruti, à ton avis? Peut-être qu'il serait aux fenêtres, hein? Ah, comme lui, là, je pensais. Mais on peut pas, hein. On peut pas target le mec. Hein. Là, je suis au maximum du haut. Je peux pas aller plus. Hein. En plus, vous pouvez pas me backseat, vu que c'est aléatoire. À part si vous le voyez. Mais là, pour me décrire où il est, le mec... Sur ta droite, non, sur ta gauche. Ah, c'est lui. C'est ce fils de chien. Il se déplace. Hein. Et là, il est caché dans les arbres. Hein. C'est... On pouvait difficilement... C'est lui là! Mais je peux pas le target! Je suis au maximum du bas! Je suis obligé d'attendre qu'il monte! On est d'accord, c'est ce fils de chien là! Mais là, il me tourne le dos! Putain, c'est risqué de le tuer! Et je l'ai eu! Faut avoir un sacré sens de l'observation quand même! C'est vachement fourbe! À ta gauche, à côté de l'arbre! Alors qu'il y en a des centaines! Salaud! Hein. C'était pas évident! Le professionnel! J'avoue! Avec Bébel, l'arc de triomphe. Alors, oh putain, c'est quoi? Il y a des packages là. Find the package, but watch out. Enemy snipers have been spotted. Bonne chance. Hein. Et il faut trouver 4 packages. Before the dealer. C'est dealer dans Pokémon Réunion. Non. Oh là là, attendez, c'est costaud là. C'est différent là. Danger indicateur. Si je suis en vue. Plus c'est raid, plus c'est abusé. Raid, excellent. Press control to hide from the sniper, c'est vrai. Avec L1, on pouvait se cacher, tu te rappelles. Et le ennemi position. Alors, où sont ces fils de chienne? Là, il y a un package, ici, là. Est-ce que je peux le target? C'est bon, là? Ouais. Je suppose... Oh, merde! Il y a quelqu'un, là. Je pense que je me suis caché. Hein. Tiens, où est-ce qu'ils sont, ces enculés? Mais ils me délogent, hein. Ils niquent ma cachette, hein. Putain, où sont ces enculés? Faut bien se planquer. Où est-ce qu'ils sont, ces enculés? Ils sont pas aux fenêtres? Putain, où est-ce qu'ils sont, ces fils de chiens? Putain, ils font chier, ils me font perdre du temps, là. C'est pas eux. À quoi ils ressemblent, les snipes? Où est-ce les snipes? Est-ce qu'ils ont un fusil? Ah! En v'là un! Allez, toi, mon vieux! Allez, hop! Voilà, c'était lui. Ok, voilà, je suis prévenu. Ah! En v'là un autre. Oh putain, un autre fils de chien! C'est pas mal, le fait de se planquer, là. Alors, où sont les autres packages? Ah ouais, mais c'est bien. Là, il y a juste le mécouille. Il a disparu. Ah, le v'là, cet enculé. Allez, hop, un de moins. Next! Où est le package, espèce d'enculé, là? Là, c'est pas la même map, t'as vu? Putain, mais c'est une blague. Putain, où sont les packages? Ah, en v'là un... Attention, il est à côté d'un manifestant. Allez, hop, troisième. C'est vachement fourbe, hein, quand même. Où est le dernier package? Ah! Non! Je l'avais trouvé! J'ai trop tardé à appuyer sur L1. Je me suis fait ratiboiser l'anus. Bien joué. De gauche à droite, descend d'une ligne. Et ouais. C'est dommage, on était pas mal du schtroumpf, là. Il nous en manquait un et il était là, là. Après, on s'en branle des snipers, non?
Ah, fait chier, il me bouche la vue, lui. On s'en branle des snipers, non? Vaut mieux niquer les... Enfin, on joue l'objectif! Ah, fuck! Quel enculé! Il m'a eu. Il était plus rapide que d'habitude, c'est quoi ces conneries, là? On s'est fait raser de peu. Barrette, excellent. Eh mais c'est pas aléatoire là. Si? Ou alors peut-être qu'il faut tuer les snipers pour faire apparaître les packages. Mais c'est vrai que c'est chiant de les avoir toujours en ligne de... ça nous fait perdre du temps. Ah, en v'là deux, là. Ouh, putain. C'était risqué. Bon, où est le quatrième? On est à 3 sur 4, là, va te faire foutre. Où peut être le quatrième? Ah, le v'là, le snipe. Ah, fuck! On peut pas rester caché indéfiniment, c'est ce que je pensais. Il est sorti tout seul, hein, le mec. Il faut avoir le bon timing, fait chier, on était bien parti. Putain, c'est relou, cette mission, là. Bon, on a compris. C'est dommage, on était pas mal, là. Merde! J'ai failli l'aide! Il a fait comme ça, là, d'un seul coup. Faudrait prendre des pantasmines. On est avec le PSG1. Dans Metal Gear. Ah, là par contre, il a disparu. Il est pas ici, c'est dommage. Faire très attention au bruit. En voilà un. Oh putain, il pleut! Il pleut, t'as vu? J'ai des gouttes! Et il y a des flaques! C'est marrant. Mais ça m'arrange pas, hein! Ça fait encore plus compliqué, là. Salut, c'est aléatoire, c'est marrant. Bon, fuck! Où est le truc, là? Si vous le voyez, vous me le dites. Oh putain, la vache, je me suis planqué au dernier moment. Oui, le gros sac. Pourtant, il n'y a pas 50 000 endroits où ils peuvent être. Hein. Oh. Une pluie de sang. C'est ce qu'on va faire. On va tuer tout le monde. Autant une menace que la bombe, le snipe est vénère. Temps d'écrire, tu crèves. Merde, c'est dommage, ça. C'est abusé. Un jeu à même. Alors, en voilà un. Tu l'avais vu? Bah putain. Moi qui suis pas doué. Alors, j'en ai vu qu'un pour l'instant. Et c'est à cause de ces connards de manifestants, là. Le L4 Pro gouvernement. Et hop, 2. Non. Il cache les trucs, là. Ah, il pleut encore, fait chier. Oh, putain, la vache. J'ai failli me le prendre. Putain, où peut être le truc, là? On est d'accord que ça peut être que là. Ça peut être que là où il y a les manifestants, là. Ça peut pas être là, par exemple. Quoique, je suis en train de me poser la question. Hein. Au pied de l'arbre, à 1 h. Attends, on est d'accord, c'est en haut. Ah oui, effectivement! Putain, bien joué! Mais là, pour le coup, il est en dehors de la route. Oh, fuck! J'ai appuyé trop tôt. Ah, c'est con, bordel! C'est pas évident, cette mission. Je sais pas si le L4 a un problème de cerveau. Mais c'est pas mal du tout comme jeu, tu sais quoi?
C'est assez marrant en stream. Ah, en v'là un. Et non pas en string. Bon, maintenant je vais regarder aux arbres. Parce que je sais que ça peut être le cas. Et non pas Lucas. Voilà, en v'là deux déjà. Sniper Elite 6. Allez, en v'là un autre. Il en reste un autre. Où est le... Où est Maréchal? Le quatrième, il manque, là. Il est dans la flotte avec sa coco. Bon, à voir, toi. Tu vois, on voit la jauge, hein, en bas au milieu, là. Le temps limité. À voir! Putain, où est le dernier, espèce d'abruti? C'est le connard qui me le cache, là. Regarde, on a eu celui-là, celui-là. Où est le quatrième, espèce d'idiot? La pression dans le slip. Putain, où est le quatrième? Je le vois pas, là. Étonnerait qu'il soit là. Hein. Oh non! Oh putain, j'ai failli me faire ken. Putain, espèce d'abruti, où est le truc, là? Ils sont bien planqués quand même, hein, c'est abusé. Putain, c'est plus fort que du roquefort, bordel. Oh putain, au moment où il tire. C'est bizarre, je le vois pas, là. Et vous non plus, vous le voyez pas, hein. C'est bien la preuve que... Aïe. The enemy sniper. Putain, où est-ce qu'il est, bordel? C'est quand même dingue de pas le voir, là. Aux fenêtres des immeubles, oui, mais... Oui, mais où? Pas le sniper, hein, le sac, hein. C'est le sac, hein, que je veux. Il nous en reste plus qu'un, là, ça fait chier. On va arriver au bout du timer, là. Allez, lui, il me casse les couilles. Je pense à fumier. Alors, où est cet enculé? Oh merde, il y en a déjà un autre là. Un sac, excellent. Putain, où est le sac? Où est-ce qu'il peut être, bordel de cul? On va finir par se faire avoir, hein, ça continue. Où est-ce qu'il est le sac? Regardez au pied des arbres, mais... Oh putain. On a failli y rester. Je vois pas, ça me saoule! Ça me saoule! Où est-ce qu'il peut être, ce truc de merde? On peut que ce soit ces manifestants qui le cachent. Le sac dans une flaque d'eau. Oh non, je pense pas. On va crever! Enfin, pour peu qu'il reste que 5 secondes. Et voilà. Time over! J'ai pas de sous. J'ai pas les dessous de... Les dessous de la question. T'as passé dessus. Non ! Ça fait chier, ça va me tarbiscoter maintenant, là. Ça va me triturer les méninges, cette bouse. Putain, c'est abusé, sérieux. Là, on v'là deux, déjà. Et je voyais pas du tout où il était. Hein. Bon, on v'là deux, déjà. Je connais un petit peu les spots... Voilà. Je m'en doutais qu'il y en aurait un, là. Je connais un petit peu les spots. Par contre, j'espère que c'est pas le même. Hein. Ah! Là! C'était celui-là, là? Parce qu'effectivement, il y a plein de fils de chiens qui passent dessus. Ah, fuck! Mais quoi? Bordel de cul! J'ai lâché ma... Bouah! Mais j'avais les quatre, là!
C'était celui-là, effectivement. Mais j'avais les quatre, fils de chien, il a pas terminé la mission. Fallait tuer les snipers. Moi, j'ai lâché la manette, je croyais que... Pouah, ok, d'accord, bien joué. Putain, ce troll, quoi. Et je croyais que c'était bon, moi. Bon, je connais un petit peu les spots, maintenant. Quel enculé, bordel. Un autre. Bon, ça en fait que deux, par contre. Hein. Pouah, quel enculé, on aurait dû réussir, là. Putain de troll des développeurs. Bon, l'autre, je le vois pas. Il a pas l'air d'être là. Ah, en v'là un. Ici. Ah, foutez le camp! Bon, il en manque un. Où est-ce qu'il peut être? Cool spot, excellent. Où pourrait être le dernier? Oups. Où pourrait être le dernier, bordel de cul? C'est bizarre, je vois rien. Il y en a un, faut lui tirer dans la casquette. C'est lui qui l'a. Putain, où pourrait être le dernier, là? Là, c'est pareil, je le vois pas. Hein. Mais comment tu veux savoir si c'est un manifestant qui s'est mis devant, ou... Derrière un panneau. J'ai vu un squelette derrière le panneau. Attends. Alors, un panneau. Ah, oui, oui, mais il bouge sans arrêt, donc... Un mec à lunettes. À 21h. Attends, 13... C'est-à-dire... 12, 13... Oui, donc c'est comme ça, non? Là, là? C'est bizarre, je les vois pas, là. Juste en dessous, en bas à gauche. Putain, vous êtes fort, hein, si vous le voyez... Ce serait là, là? Un mec à lunettes. Mais il y en a plein. Ça, le problème. Monte un peu. Le cœur. Ah oui, lui, là? Ah, effectivement, oui! Putain, vous êtes fort. Effectivement, c'est là. Abusez du cassoulet. Bon, c'est bon, la fils de chien, là. Oui, non? Non, non, mais je dois continuer. Hein. C'est bon, on a les quatre, on est d'accord. Hein. Mais je dois continuer, c'est pas fini. Il faut que je tue le sniper, apparemment. C'est complètement con, mais bon. Putain, ils ont abusé. Ils ont abusé, putain. Ah, le v'là. Faut que j'en tue combien, des snipes, là? Trois? Trois autres, là? Apparemment, les snipes, c'est en nombre limité, hein. Donc, faudrait commencer par tuer les snipes, en fait. Je me fais chier pour rien, là. Quatre snipers et quatre mes couilles. C'est lui, on est d'accord. Allez hop, prends sa fumier. Apparemment, il n'y a que 4 snipers. Hein. Il faut commencer par les tuer, comme ça t'as tout le temps pour les mécouilles, là. Non? Et franchement, ils ont abusé. Hein. Ils auraient dû faire en sorte que... Que le fait de finir... Hein? Quoi? Non! Mais c'est abusé! C'est trop dur, là. C'est abusé, putain de chiotte. Ils auraient dû faire en sorte qu'il n'y ait pas à tuer les snipers. Dès que t'as marqué les quatre fils de chien, là, ben ça y est, c'est fini. C'est con, là. Bon, je vais essayer de tuer les snipers. Hein. Mais ils peuvent être n'importe où, ça, le problème. Oh, c'est abusé, je suis pas d'accord, là. Ok, 1h30. D'accord, attends.
Je vais essayer de commencer par les snipes. Là aussi, c'est pareil, c'est des spots. Oh ! Mais putain ! Oh, ça va avoir raison de moi, ces conneries. C'est vrai que c'est un cas de conscience, hein. Il faut décider. Ils sont au même endroit, c'est bizarre. Et putain. Faut décider ce que tu veux faire en premier. Oh merde! C'est pas facile, hein, franchement. C'est que la troisième mission, rendez-vous compte. Hein. Bon, ça m'énervait ces snipers là. Oh, m'emmerdez alors. Allez, déjà deux paquets, difficile de faire mieux. Oh, où sont ces enculés là? Normalement, ils sont que à ces fenêtres. Hein. Alors, voilà un. Hein. Allez, hop. C'est vrai qu'ils ont un petit peu fumé quand même. Bon, le paquet de la dernière fois, apparemment, il est pas là. 3. Un sniper, 3 paquets. Et le quatrième est là. C'était risqué de le faire d'aussi loin. Allez, on n'est pas... On est pas mal, j'allais dire. On était bon, hein, mais je me suis protégé une seconde de trop tôt, et voilà. Ça commence à m'emmerder, ces conneries, là. On n'arrête pas le live tant que j'ai pas réussi cette mission de brin, je vous préviens. un là. Celui-là aussi, il est bien planqué. Et merde, j'ai raté. Les lives manifestants. C'est pas évident du cassoulet quand même. Franchement, c'est pas pour les kikimous. Allez, un sac. Gros sac. Ça continue comme ça, on connaîtra tous les spots. Hein. Non, pas les spoils de jeuxvideo.com. Et ça en fait deux. Allez, le sniper prend sa fumier. Un de moins. Alors, où sont les trucs? Un sniper, deux sacs. Deux snipers. Ah, le truc là, là. Allez, zoom, trouduc. Alors, le bon timing. Trois sacs, deux snipers, c'est ça? Alors, où est cet enculé? Ah. On devient parano. Allez, hop! Un sniper, un sac. Là, il peut être n'importe où, hein, cet enculé. On a la pression dans le slip. Une bière à pression. Le v'là. Allez, comme ça, ils arrêteront de me casser les couilles. Allez, hop. Plus que un sac. Et maintenant, plus de pression des snipers. On a tout notre temps. Enfin, façon de parler. Où est le dernier truc? Voilà, il nous reste une minute, hein. Bonne chance, hein. Une ou deux, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Où est le dernier? Je puisse, ça se termine à 15h06. Je crois que oui. Où est le... Ah, le v'là! La victoire nous tend les bras! C'est pas le moment de faire le con! Oh. Oh. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas. Pokémon. Voilà, ça y est. On a réussi.
Oh putain, c'était pas évident du cassoulet. Merci, merci. Incroyable du cul, hein, franchement. Et voilà. Ah, bon, c'est pas exclu qu'on le continue un jour, ce jeu, en espérant que ça sauvegarde, là. Hein. Et sinon, tu vois, il y a un fine mode. C'est pas exclu qu'on le continue un jour. C'est pas mal du schtroumpf. Mais voilà, c'était Géométrique Sniper. Si vous voulez tester ça par vous-même, je pense pas qu'il soit trop cher quand même. Qu'il soit très cher. Très cher. Enfin bref, merde. Le premier, d'accord, ok. Ouais, surtout qu'il l'a, hein, Camille, dans sa bibliothèque. Il est là, devant mes yeux. Et sinon, il y a Géométrique Feel the Beats. Mais je pense pas que ce soit la même chose. Bien, pas mal. Ok, pourquoi pas. Attends, je vais le marquer, tu sais quoi, dans mon fichier texte. Image. Ouais. Attends, live L4. Eh bien, salut à tous pour ce live d'L4. Énorme. Voilà, géométrique. J'ai la trique. Sniper, le premier. Voilà. Je vais marquer pour différencier. Yeah. Un arcade full of cats. Hein ? C'est quoi ? Ça existe, ce truc ? C'est un troll du Steph. Fais voir. Attends, tu m'as dit... Un arcade full of cats. Mais c'est gratuit, en plus. Free to play. Voyager à travers le temps et l'espace de l'histoire du jeu vidéo, tout en recherchant d'adorables compagnons félins. Mais c'est un sick game. Ouais, voilà, objet caché, c'est ça. C'est pareil, mais là, pour le coup, c'est comme EBF Hidden Cats. Voilà, lui aussi, il va faire un truc comme ça. Hein. Et c'est censé sortir fin 2023. Hein. Ah mais putain, mais c'est ça vient de sortir, là. C'est sorti le 16 novembre. Extrêmement positif 2000. Hein. Ça vient juste de sortir, là. Écoute, je vais le add dans ma bibliothèque. C'est très frais, là. Il fait très frais. Je vais le add dans ma bibliothèque, tu sais quoi. C'est bon, il est add, là. Quoique... Est-ce que c'est encore un de ces jeux où il apparaît pas si tu l'installes pas? Ouais, j'en ai l'impression, c'est dommage. Relou. Bon. Et t'en as un autre qui est payant, là. 1,79€ Warp quelque chose, là. Ouais, le fait de faire jouer au jeu, faut faire installer. Voir, il pèse combien, là? 360 MO. Bien, bravo. Le troisième jeu de l'équipe de dev, oui, Charlie avec des chats, les deux premiers sont payants, d'accord. Le troisième F2P avec un DLC, 4 chapitres. 2-3 jours, sympa. Un poil moins recherché que les deux premiers, pour le prix de 0, ça se fait. Bien. Normalement, quand tu ajoutes à la biblio, ça se rajoute, pas de catégorie. Pas besoin d'installer. Ouais, c'est bizarre, je l'ai pas vu, là. Bon, bref. Ouf. Bah qu'est-ce qu'on fait du coup, on le fera en stream? Ou je le fais de mon côté? Le Monopole, excellent. Que des messages du Steph. Bah écoutez, merci d'avoir été présent pour ce live tout en folie. Hein. Plusieurs scènes, tu peux découper pour une partie. Ah ouais, quand même. Même en une seule partie, on n'aura pas fini. Bah c'est ce que je voulais savoir. Oui, bah écoute, ce sera pour un prochain stream. Ah oui, quand même, je pensais pas que c'était aussi long. Si tu vas vite. D'accord. Vu le L4...
Une heure avec l'aide du chat. Ah ouais, quand même. Un nouveau fil rouge, j'avoue. Bon, écoutez, c'était L4 pour ce live tout en folie. On se dit la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de nouvelles aventures. Et d'accord. Et écoutez, ben, merci à vous d'avoir été présents. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et en attendant, ben, on se dit à la semaine prochaine et pour GTA 6, évidemment. On exclut chez le L4. Et ben voilà, c'est costaud. En attendant, bonne soirée à vous, bon week-end. Et voilà. Et on verra bien ce qui va se passer. Allez, à plus. Énorme.